Dans un monde déchiré par l'obscurité et la lumière. La chope sifflante est le point de départ d'une quête d'ordre divin. Alors que les rats se faufilent entre les tabourets, le regard d'un jeune groupe d'aventuriers se pose sur une affiche placardée. Quiconque voit cette affiche, notre temps est compté. L'infâme Arine Toul a mis en marche ses plans, et je ne crains de ne pas pouvoir m'en occuper seul. Si le sort de ce monde vous préoccupe, soyez mesdames dans l'obscurité. Dirigez-vous vers son temple et emparez-vous de son arme. Soyez la lumière qui recouvre le monde et devenez les champions de Home. Malheureusement pour eux, des adeptes d'Arine Toul se sont infiltrés dans le groupe. Chaque joueur aura la possibilité d'influencer le cours de la mission. Les bons, menés par l'élu de Home, devront réussir 3 jours de mission. Mais c'est sans compter sur les adeptes qui doivent user de ruses et de pièges pour saboter 3 jours de mission des héros. Entrer dans le donjon n'est pas une mince affaire. Le chef de mission ne peut assigner que 2 personnes du groupe. Bien que tout le monde puisse donner son avis sur la question, c'est le chef de mission qui aura le dernier mot. Celui-ci est désigné au début de chaque nouvelle journée. Pour réussir une mission, les 2 joueurs choisis par le chef doivent tous 2 choisir de la réussir. Si l'un des 2 a décidé de faire échouer la mission, elle sera définitivement échouée. L'artefact en poche, les traîtres auront une dernière chance de sauver les plans de leur maître. Ils pourront désigner un membre du groupe à assassiner et espérer qu'il s'agisse de l'élu. Cet assaut n'est disponible qu'à la fin de l'aventure. Au sein de l'équipe se trouve l'élu. Home lui a transmis l'information de qui sont les 2 traîtres et le pouvoir de porter l'artefact. Mais attention, si l'élu se dévoile trop, il risque d'être assassiné et de donner la victoire aux adeptes. Bien sûr, chacun des aventuriers possède une classe et un pouvoir distinct. Ainsi, apprenez à les maîtriser et à les utiliser au bon moment pour mener à bien votre objectif. Et sur ces mots, aventuriers, bon voyage !